Ravi de vous savoir avec nous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les enterrements des victimes des événements du 14, 15 et 16 octobre dernier n'ont pas eu lieu ce mercredi comme prévu. Les autorités refusent de rendre les corps aux familles sous prétexte que les autopsies sont loin d'être terminées. C'est une décision qui met en colère les membres du FNDC qui étaient mobilisés ce mercredi à la morgue d'Ignace Dine. Les partisans à l'adoption d'une nouvelle constitution veulent réserver demain jeudi une réception digne du nom au chef de l'État à l'aéroport de Conakry-Bessia. Les cadres de l'administration, les partis politiques alliés au RPG arc-en-ciel, les mouvements de soutien, tous attendent de réitérer leur adhésion aux idéaux du chef de l'État. Une rencontre avait lieu ce mercredi au gouvernorat pour faire le point. La République fait bloc autour des victimes, a assuré mardi Emmanuel Macron après l'attaque d'une mosquée à Bayonne par un octogénaire, ancien candidat d'extrême droite qui a fait 2 blessés. On ouvre ce journal par cette brève coup dur pour la presse guinéenne. Nous venons de l'apprendre. Les licences des radios Continental FM et Ado FM viennent d'être retirées par la Haute Autorité de la Communication. La HAC reproche à ces deux médias les installations frauduleuses de leurs émetteurs et de leurs accessoires sur le site de diffusion de la RTG Coloma. La HAC considère que cet acte est en violation du contenu des cahiers de charges portant condition d'implantation et d'exploitation des stations de radiodiffusion et télévision privée. Nous y reviendrons. Le FNDC devra encore attendre quelques jours avant de procéder aux enterrements des 10 jeunes tués les 14, 15 et 16 octobre dernier. Ce mercredi, alors que les leaders de ce front et les familles des victimes réclamaient les corps pour leur inhumation, il leur a été demandé d'attendre la fin des autopsies qui ne seraient jusque-là pas terminées. Et ce refus a irrité ces leaders politiques qui, la plupart, présents à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, complètement bloqué par les forces de sécurité. La mesure était légale. Mamadou Kalissou et Mohamed Alousine Camara ont posé la question à un défenseur des droits de l'homme et suivez. À partir du moment où le tribunal de Dixine s'est saisi du dossier, une information judiciaire a été ouverte. Il revenait au procureur ou le juge d'instruction saisi du dossier d'infirmer ou de confirmer la fin des autopsies. Le communiqué du ministre de la Santé est une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, selon cet avocat et défenseur des droits de l'homme. Pour nous, dès lors que la suite de la crise est gérée par la justice, il ne revient qu'à la justice de donner, en tout cas, des informations relativement à la suite de cette procédure. Et donc pour nous, si le ministère de la Santé s'immisce ainsi, nous pensons qu'il y a une atteinte grave au principe de l'indépendance de la justice, ce qui est une violation, à notre avis, des droits de l'homme. À Ignace Dine, toutes les issues menant à la morgue sont bloquées par les forces de l'ordre. Des membres du FNDC et proches des victimes qui ont fait le déplacement sont interloqués. Ça veut dire que nous sommes maintenant à plein dans la dictature. On pensait que le pouvoir était conciliant, le pouvoir voulait aller à la paix, le semblant de dialogue qu'il a fait. Au-delà de cette dictature imposée, vous savez que nous avons des camarades qui sont encore en prison, injustement incarcérés par le pouvoir. Les 12 jeunes tués lors des manifestations des 14 et 15 octobre dernier devraient être inhumés au cimetière de Bambeto à la suite d'une marche funèbre. Finalement, les corps n'ont pas été restitués. La date de leur enterrement renvoyée sine die. La nécessité est là de donner les corps aux familles des victimes qui veulent vraiment enterrer. Vous-même, vous savez que chez nous, les musulmans, et le plus tôt serait possible pour inhumer les corps. Vu que les autopsies sont finies, les papiers d'autopsie sont disponibles, nous pensons que c'est impératif que le gouvernement ait un cœur et qu'il sache que c'est une partie du peuple qui est en train d'être massacrée. Et cette frustration qui s'accumule n'est pas bon pour notre République, et n'est pas bon pour la nation, et n'est pas bonne pour la stabilité. Les responsables du Front National pour la défense de la Constitution doivent se retrouver rapidement pour décider de la suite à donner à ce qu'ils appellent une provocation du gouvernement.
puis la coalition démocratique pour une nouvelle constitution organise ce jeudi à Conakry une réception dite grandiose pour le président Alpha Condé qui rentre d'une mission. Et ce mercredi, Papa Koly Kourouma, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, membre de la CODNOC, était dans les grandes gueules sur Espace TV. Il a promis une mobilisation massive. Al-Ghassim Mialiba et Abou Kouria Kourouma pour le décryptage. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution espère mobiliser massivement pour accueillir le chef de l'État Alpha Condé ce jeudi. Le président rentre d'un sommet auquel il a pris part à Sotchi. Papa Koly Kourouma, membre de la CODNOC et ministre, revient sur l'objectif visé par la structure organisatrice. Ça va nous permettre de sortir du monde de partout. Tout ce qui pense qu'à la date d'aujourd'hui qu'il faut dire oui à l'esprit d'un projet de nouvelle constitution seront là pour s'exprimer. La seule formule capable aujourd'hui de déterminer la supériorité numérique d'un groupe par rapport à une question politique qui se pose, ce sont les urnes. Selon lui, toutes les dispositions sont prises afin de réussir cet accueil. Nous savons comment nous sécurisons nos militants quand nous sortons pour des meetings, pour des campagnes électorales. Alors ces mêmes dispositifs seront mis en place pour assurer la sécurité de nos militants et pour assurer la sécurité de la mobilisation. Une mobilisation que bon nombre d'observateurs voient comme une réaction à la récente manifestation du Front National pour la défense de la Constitution qui a drainé du monde à Conakry. Papa Koly Kourouma a tenu à répondre à ceux qui estiment que des billets de banque ont été distribués pour mobiliser. C'est utopique de donner de l'argent à des gens pour dire « sortez ». Ça veut dire que ce n'est pas avec conviction. Or, ce que nous voulons, c'est la conviction que nous démontrons, c'est notre intérieur que nous exprimons. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, déjà, étant des leaders, nous avons des militants. C'est à défaut des militants qu'on va aller acheter des militants. Les pro-nouvelle constitution vont-ils parvenir à mobiliser massivement? La réponse, c'est dans quelques heures. Le gouverneur de la ville de Conakry a échangé ce mercredi matin avec les organisateurs de la marche pour la réception du président de la République, les services de sécurité et les secrétaires généraux des communes concernées. Il était question de parler des dispositions à prendre pour le bon déroulement de la marche. Mariam Foudé Camara et Ibrahima Souri Camara, compte rendu. Comme avec le FNDC, les organisateurs de la marche pour la réception du président ont adressé des courriers d'information le 28 octobre dernier aux mairies de Matoto, Dixina, Matam et Kaloum, ainsi qu'au gouvernorat pour leur intention d'offrir une réception au chef de l'État. Le gouverneur a tenu à échanger avec eux autour des dispositions sécuritaires qu'il compte prendre pour le bon déroulement de la marche. Nous avons pris soin d'adresser des courriers à chaque commune. C'est ça, le bon citoyen. Et une lettre aussi a été adressée à M. le gouverneur de la ville de Conakry. Donc nous avons été invités ce matin de venir discuter de la mesure sécuritaire de la manifestation. Un, de notre côté même, quel est le comité d'organisation sécuritaire en place? Nous l'avons dit déjà et nous l'avons expliqué de fond en comble. Les consignes données. L'itinéraire de cette marche va de l'aéroport à Kaloum en passant par Matam et Dixina. Le gouverneur de la ville de Conakry a plusieurs fois insisté au cours de cette réunion technique sur la sécurité des citoyens sur ce trajet. En réponse, le coordinateur de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne rassure que ces hommes travailleront en étroite collaboration avec les services de sécurité pour traquer tous les fauteurs de troubles. Nos responsables chargés de la sécurité au sein de notre groupe ne sont pas ceux-là qui sont chargés de frapper ou d'insulter, mais c'est juste dénoncer, l'indiquer, afin que les responsables reconnus à cet effet, donc ceux qui sont compétents à la matière, puissent venir les mettre hors état de nuire. Voilà ce que nous pouvons faire. Et nous assurons tous les citoyens d'être là, de ne pas avoir peur, de se mobiliser comme un seul homme pour souhaiter la bienvenue à la première institution de la République, celle qui est la présidence. Mathurin Bangoura a aussi expliqué aux organisateurs qu'ils seront en cas de dérapage les seuls responsables.
C'est un reportage de Mariam Foudé Camara et de Ibrahima Souri Camara. Le SLEC dirigé par Aboubacar Souma vient de lancer un appel aux enseignants. Il leur demande de poursuivre les cours jeudi alors qu'une mobilisation grandiose est prévue pour accueillir le chef de l'État. Ce message suscite des réactions au sein du mouvement syndical de l'éducation. Le syndicat national de l'éducation, cette autre structure syndicale, dénonce cette démarche d'Aboubacar Souma et affirme que cela n'est pas conforme aux tests qui réagissent le fonctionnement du syndicalisme. Pour Michel Pépé Balamo, il ne revient pas à Aboubacar Souma de faire une telle annonce. Gibril Ba et Lamine Silla. Demain jeudi, un accueil est réservé au président de la République. Alors qu'une invitation des enseignants à continuer les cours par Aboubacar Souma du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée fait des vagues sur les réseaux sociaux. Déjà, le SNE fait part de son indignation à la suite de cet appel. Pour le secrétaire général de cette structure syndicale, un syndicaliste ne doit pas afficher sa position. Et donc, il n'est pas de la notoriété d'un syndicaliste d'interférer dans les affaires politiques. Et je crois que, et surtout, c'est ce qui se passe. Balamou ne manque pas de propositions pour son camarade face à des situations pareilles. Ce qu'on devrait faire, par exemple, c'était de dire au gouvernement de prendre des mesures sécuritaires pour sécuriser les concessions scolaires. Là, maintenant, c'était le rôle du syndicat. Parce que vous allez voir qu'au Burkina, le terrorisme sévit au nord du Burkina, mais jamais un syndicat de l'éducation n'a demandé aux enseignants de ne pas aller à l'école. Cette déclaration d'Aboubacar Souma donne l'opportunité à ce syndicaliste d'attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Les enseignants souffrent. On a fait un toilettage du fichier, on n'a pas les résultats. Les primes liées à la profession enseignante sont maigres. Hein? Le coût de la vie est très cher pour les enseignants. Reste à savoir si demain cet appel sera suivi ou pas. L'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, a présenté ce mercredi son rapport partiel sur les promesses du chef de l'État. Et ce cinquième rapport de l'AED est résumé dans un document de 22 pages. Il présente 33 engagements du président Alpha Condé et de son gouvernement auprès des populations locales, notamment dans les régions de Boké, Labé, Cancan et Zérékoré. Ces promesses ne sont en majorité pas encore tenues, ont fait savoir les conférenciers. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Amara Alex Silla. C'est un travail réalisé en un an, un cinquième rapport consacré sur l'énergie, la santé publique, l'élevage, les travaux publics, l'eau, le transport, pour évaluer les promesses du chef de l'État. L'objectif de l'AID, en réalité, c'est de fournir aux citoyens et à toutes les autres personnes, aux journalistes, aux acteurs de la société civile, un outil objectif, j'insiste bien sur le mot objectif, qui permet d'apprécier la gouvernance dans notre pays, qui permet d'évaluer le président de la République à la fin de son mandat. Depuis la campagne présidentielle de 2015, le président de la République a fait beaucoup de promesses, presque pour toutes les régions du pays. Pour Boké, Alpha Condé et son gouvernement avaient promis de développer des secteurs comme l'élevage, la pêche, l'eau, l'énergie ou encore la santé publique. À Labé, il avait entre autres promis de réhabiliter l'aéroport régional et le marché de Kolé dans la préfecture de Tougué. 10 engagements répertoriés à Cancan et 8 à Zérékoré. Partout dans ces localités, il y a des avals du gouvernement en cours de réalisation, d'autres partiellement ou encore non tenues. À Boké, 50% des promesses, pour 50% des promesses, aucune action n'a été engagée. Pour l'Abbé, 70% des promesses, aucune action n'a été engagée. Pour Cancan, 40% des promesses, aucune action n'a été engagée. Et pour Zérékoré, 45% des promesses, aucune action n'a été engagée. Dans ce rapport de 24 pages, 33 promesses sont répertoriées, mais parmi elles, c'est une seule qui a été entièrement tenue. Sur l'ensemble des 33 promesses, que nous suivons, le constat est qu'une seule a été tenue et c'est celle qui concerne la création d'une mutuelle financière pour les femmes de Macinta avec 1 milliard de francs guinéens. Au cours de la réalisation de ces activités, les acteurs disent avoir rencontré des difficultés, notamment la rétention de l'information par certains administrateurs
Il invite le président Alpha Condé et son gouvernement à consacrer le reste de leur mandat à tenir les promesses faites envers les populations rurales du pays. La révision des programmes des écoles franco-arabes, la réglementation des foyers coraniques et mosquées, une mission qui s'est assignée le secrétariat des affaires religieuses. Les représentants des 33 préfectures et les 5 communes de la capitale ont pris part aux travaux de mise en œuvre des règles qui doivent servir de boussole au fonctionnement des lieux de culte. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Sengsouma pour les détails. Le gouvernement a sollicité l'apport et l'appui des partenaires pour retravailler le contenu des programmes des écoles franco-arabes. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il s'agissait de la révision des programmes des écoles franco-arabes afin de faire en sorte que les contenus soient débarrassés de tout ce qui est radicalisme et extrémisme violent. L'inclusion et la participation, options utilisées par le secrétariat aux affaires religieuses, 13 préfectures parcourues pour recueillir les avis de tous les acteurs concernés. À terme, leurs propositions sont prises en compte. Nous avons recueilli les sentiments et les propositions des imams, des prédicateurs, des enseignants de foyers coraniques, des fondateurs de foyers coraniques, des élèves de foyers coraniques, des ONG islamiques, des comités d'alerte précoce, de la société civile, et des autorités administratives de toutes les localités que nous avons eues à traverser. Des vives tensions sont souvent enregistrées dans les lieux de culte. Pour éviter des drames, le secrétariat opte pour la prévention. De trouver des réglementations pour mettre à l'abri la Guinée de toutes ces petites discordes-là. Nous avons ces textes. Désormais, l'ouverture d'un foyer coranique, la construction ou l'inauguration d'une mosquée doit obéir à des règles définies par les acteurs eux-mêmes. Les conditions liées au choix des gens qui doivent gérer ces mosquées et quelles sont aussi les conditions qui gèrent ceux qui doivent créer les centres de mémorisation, les animer et les former. Les textes aussitôt disponibles seront entérinés par le département des affaires religieuses. Ce qui se passe dans les pays voisins, pour non-réglementation des textes liés au fonctionnement des lieux de culte et des foyers coraniques, tout le monde sait ça. Octobre rose ou mois du cancer du sang est l'occasion pour les organisations et des sociétés de parler de cette maladie. MTN Guinée en a profité pour sensibiliser ses employés et leurs familles en faisant venir des médecins spécialistes. Plus de détails avec Mamadou Saluba et Ibrahima Awal Kamara. Le cancer du sein, un véritable problème de santé publique, un combat de tous, y compris de MTN Guinée qui a profité du mois d'octobre consacré à la maladie pour sensibiliser ses employés et leurs familles. La science a été vraiment une science interactive. Il y a eu des explications, nos employés, nous estimons, ont tiré le maximum de profit de la présentation qui a été faite. Et pour lutter de façon efficace contre la tumeur, MTN Guinée fait appel à des médecins. Elles expliquent comment faire l'autopalpation pour dépister soi-même le cancer. Elles expliquent surtout quels sont les facteurs de risque. Comme la consommation excessive de graisse qui peut conduire à l'obésité, la consommation faible des fruits et légumes, et nous avons aussi la pollution environnementale. Nous avons aussi des facteurs difficiles à éviter comme les facteurs génétiques et le taux élevé d'œstrogène, le taux élevé d'œstrogène dans l'organisme qu'on peut éviter. Le cancer du sein est certes une maladie dangereuse. Il occasionne la multiplication incontrôlée des cellules glandulaires, mais il peut être évité ou du moins traité à travers le dépistage. Toutes les femmes sont exposées et qu'on était mal informées par rapport au sujet et qu'il est très important de faire le dépistage et ça peut sauver une vie. Nous le faisons au centre de dépistage de la polyclinique Médissart et concerne toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans. Et nous sommes à la dernière semaine. Nous les faisons chaque jeudi, vendredi, samedi de chaque semaine. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment observé chez la femme. MTN Guinée compte faire plus pour aider ses employés
et leurs familles à combattre cette maladie. Et puis en interactualité, la République fait bloc autour des victimes, a assuré mardi Emmanuel Macron après l'attaque d'une mosquée à Bayonne par un octogénaire, ancien candidat d'extrême droite qui a fait 2 blessés. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent. La rédaction a réalisé ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.